fait des équipes intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'on mélange donc élèves, personnes âgées et personnes de notre groupe pour trouver ensemble la réponse aux questions. Donc c'est vraiment pour faire ce type d'action-là, quoi. Et pour terminer, exceptionnel. Alors là, ça, c'est alors, ce soir, je n'ai jamais proposé. C'est pas rien, hein. Ah non, c'est... Eh bien, je vous propose du rien. Mais attention, pas du rien d'ailleurs, du rien d'ici, du rien de Tourcoing. Ce rien que vous vous emmenez à tout, à beaucoup de choses, voir à l'infini et à là, c'est du rien massif. Et je vous le propose, attention, c'est exceptionnel, 10 000 euros tout rien, c'est donné. L'idée, c'est de créer du lien et d'échanger. Voilà. D'échanger ensemble, de faire des choses ensemble. C'est faire des choses ensemble. Quand on prend le temps de parler avec les jeunes, avec les personnes âgées, ben on découvre une richesse et puis on s'aperçoit qu'on a vraiment des choses à se dire, des choses en commun, quoi. Ça me demande beaucoup de temps de préparation, hein, bien sûr, parce que je dois aller voir les uns et les autres, je dois organiser. Alors, on essaye de se réunir pour justement organiser ces rencontres, parce que ce sont des rencontres, et d'en parler ensemble, parce que je ne suis jamais certaine où on va faire ceci. Non, j'échange avec pour que tout le monde soit content, parce qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. Les personnes qui adhèrent à mon association, il faut qu'elles y trouvent leur compte et qu'elles aiment faire ça. Donc, et moi aussi, d'ailleurs, je ne vais pas aller avec les pieds de plomb. Ce serait plus un plaisir à ce moment-là. Il faut que ça reste un plaisir. Moi, j'étais agent de concertation à la mairie de Tourcoing. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si je fais ça, c'est grâce à ce que je faisais avant. En fait, je continue un petit peu, je fais bénéficier de mon expérience professionnelle. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, la manière d'organiser. Je connais pas mal de beaucoup de monde aussi. Donc après tout ce qui est informatique, tout ce qui est diaporama, ça m'aide parce que je le faisais dans le cadre de ma profession. Personnellement, moi ça m'apporte. J'ai beaucoup de le fait de rencontrer beaucoup de gens, ça m'ouvre l'esprit justement par rapport à rencontrer toutes sortes de gens, de toute culture, de toute profession, hein, voilà. Et puis le fait de voir que, par exemple dans mon groupe, ce qui m'a vraiment apporté, c'est qu'il y a eu un lien d'amitié qui s'est créé entre toutes les personnes. Et ça, franchement, ça m'a vraiment, parce que c'est des personnes qui ont perdu leur mari, qui ont, voilà, pour diverses raisons, se retrouvées seules, et elles trouvent une certaine compensation. Et un lien d'amitié s'est créé avec les adhérentes de mon groupe. Alors déjà, ça, rien que ça, ça m'apporte. Moi aussi, j'ai trouvé des amis. Et puis aussi le fait de rencontrer des enfants, des ados, ça m'apporte beaucoup aussi. Je peux apporter des conseils qui peuvent servir. Je trouve que c'est bien. Moi, je trouve qu'on s'ouvre l'esprit. On s'ouvre l'esprit et puis on a l'impression qu'on sert à quelque chose encore. Même si c'est pas une petite goutte d'eau, mais je me dis quelquefois les déclics, ça se fait. Même si c'est un enfant qui a un déclic, c'est toujours ça. Le bonheur, c'est aussi de voir que l'autre a quelques satisfactions. Alors, dans le malheur, on peut trouver un peu de bonheur. Le carnaval de Dunkerque trouve ses origines dans la pêche en Islande. Les aspects négatifs, c'est-à-dire que il faut gérer son temps. Ça va gérer son temps. C'est vrai que j'ai un peu de mal à gérer mon temps. Et c'est vrai que quand on travaille, on doit gérer la vie familiale. Moi maintenant, c'est les petits enfants que je dois gérer, le ménage, tout, et la vie bénévole. Donc c'est ça. C'est le plus difficile à gérer. C'est il faut savoir dire combien de temps on donne. Ça apporte plus que. Pour moi, ça m'a apporté plus que mon travail. Par exemple, j'ai élevé mes enfants pendant quelques années. Eh bien, je me suis engagée au sein des associations de parents d'élèves, toujours. Hein, donc, à un moment donné, je faisais partie du planning familial aussi. Bon, ça ne me faisait pas trop peur, quoi. Je crois que j'ai toujours baigné dedans, presque, mais... Non, il faut savoir gérer, quoi. Il faut qu'il y ait une bonne gestion, avant tout. C'est
C'est-à-dire que par moment, quand vous avez des bénévoles, une bénévole qui a un problème de santé, une autre qui dit « je ne peux plus continuer », à te donner un coup de main, et des moments, c'est un petit peu lourd quand même. La tâche est un peu lourde, bon, c'est ce qui m'est arrivé, bon, là, ça commence à se résoudre, mais on a l'impression de presque tout porter, je ne vais pas dire seul, mais quand même, quoi. Alors, si la subvention, parce que je fais des demandes de subvention à la mairie, si la subvention n'arrive pas, mais vous dites « bon, ok, je gère comment ?» Enfin, on y arrivera, mais c'est quand même un peu lourd pour une seule personne. Enfin, pour une seule personne, il y a quand même, on en parle bien aux personnes. Mais l'an dernier, j'ai carrément dit aux gens, écoutez, je me casse la pipe, comment on fait ? Il n'y a que moi qui ai la signature actuellement. Et ça a fait un peu réagir. Bon, il y a une personne qui s'est présentée, qui m'a dit, non, je viens de donner un coup de main. J'ai souvent fait des choses... avec entrain, bonne humeur, et en général, on trouve toujours des solutions, quoi. Ça, c'est 20 minutes, 21 même. On fait au départ un test de 6 minutes marche qui montre la fréquence cardiaque d'adaptation à l'effort et la récupération. Parce que il y a des personnes qui pensent « je vais à fond les ballons », et puis on récupère. Si là on ne récupère pas bien, on ne sert pas la santé. Ça va ? Est-ce que tu sais combien tu as marché ? J'ai marché 3 minutes. Oui. J'ai arrêté 2 fois. Voilà. Ce qui est toujours intéressant, par exemple, c'est que des personnes. Les personnes qu'on rencontre, des fois, sont des personnes qui se trouvent un peu ou oisives parce que c'est le début de la retraite, ou qui se sont arrêtés après 15 ans de boulot parce qu'ils ont 3 enfants, et qui se sentent encore un peu jeunes et actifs. Et là, on peut orienter en disant, il y a de l'informatique, ou bien, bon, je sais que j'oriente facilement les gens ici, ou aux ateliers couture, tricot, là-haut, ou à des choses quand même intéressantes, quoi. Et je crois que c'est surtout le relais qui est intéressant. Moi, j'ai commencé par quoi ? Des centres de vacances, des choses comme ça à partir de 17 ans. Puis après, je crois que j'ai toujours un peu suivi. J'ai toujours travaillé beaucoup dans le social aussi. Bon, je pense que c'est un peu dans ma nature, quoi. Je crois que j'ai transmis l'envie de rentrer dans le social aussi en étant animatrice. D'autres animateurs que j'ai vus sont devenus à leur tour directeurs de centres de vacances. Ils sont maintenant présidents d'associations. Ça fait toujours plaisir et on a toujours un énorme plaisir de se retrouver 30 ans après même. Moi, je voulais faire revivre les allumeurs dans le quartier parce qu'il y avait eu un petit fiasco concernant une école, donc j'ai dit je vais m'en occuper. Et donc, c'est là que tout a débuté avec les allumeurs du quartier du Claquet. Puis ça nous convient, on aime bien faire ça. Moi, je suis retraité, donc ça m'occupe. Voilà. Et madame. Moi aussi, moi je suis retraité et j'aime bien de m'occuper. Justement, ça donne une. Un but. Oui, une motivation. Puis on aime bien de faire ça. Ça marche toujours à deux, mais bon. C'est toujours comme ça. Moi, j'étais pompier de Paris quand j'étais jeune, et après j'ai fait 22 ans la route. Donc, l'animation m'est venue parce que j'ai tombé sur Serge Charles qui était député à Marc-en-Barœul, je pense. Et je l'ai pris en stop, j'étais en camion, et il était en panne avec son chauffeur. Et du coup, je l'ai pris, et puis il me dit « Tiens, monsieur Méli, il ne se passe rien à nouveau », et c'est là que j'ai commencé... Et donc, je l'avais invité, c'est là qu'on a fait 2000 personnes. Moi, j'étais président des comités d'animation à Mouveau. Et donc, à l'époque, hein, je vous parle de ça, en 1983, je faisais 1000-2000 personnes. Je faisais des spectacles de variété, je faisais venir Pierrette, Pierre Doris, Nancy Holloway dans la même soirée. Et donc, on faisait quand même pas mal, on faisait du monde. On appelait ça la fête à l'orange. Et encore plus ancien que ça, c'est la foire au crâne à la ZUP de la Bourgogne. On
super content. Ouais, si, si, ça nous apporte. Un besoin de. Ouais, ouais, ouais. On est content d'être actif, quoi. Bah, ouais. Voilà. Et de donner du plaisir aux gens. Ouais, ouais. Voilà. Je pensais pas que ça allait faire. Je pensais que j'allais faire un petit club, on allait s'amuser, puis c'est tout. Mais là, je vois que c'est de plus en plus sérieux, on va dire. Pour avoir des créneaux, on a monté une association pour avoir des créneaux, après s'inscrire en ligue, après c'est parti. On voit de plus en plus de jeunes qui viennent, et c'est bien. Je préfère qu'ils soient là dans une salle de foot, dans une salle de sport pour faire du sport que les voir traîner dans la rue. Bon, il n'y a pas que des traîneurs, bien sûr, qui viennent au football, il y en a qui aiment bien, c'est une passion. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais pas toutes les raisons. Quand je n'étais pas dans une association, je ne connaissais rien de tout ça. Depuis que j'ai monté le club, j'ai commencé à connaître plusieurs personnes, plusieurs gens, et moi, dans ma tête, c'était que le football. Mais en fin de compte, quand on monte une association, c'est pas que ce que tu crois que tu vas faire. Je travaille avec plusieurs d'autres associations, comme les Ruisseaux, et qui s'occupent des gens qui recherchent du boulot. Et dans le cadre du sport, quand on est recherche du boulot, je les positionne, je les conseille, je les oriente. Je leur dis, allez-y voir là, allez-y voir Malik, allez-y voir Le Pli, allez-y à la maison de l'emploi. Voilà, quoi. Avant, je jouais dans un club, c'était une association aussi, et voilà, quoi, c'était... Je m'occupais de... Ouais, je prenais mon sac de sport, j'allais au sport. Sofiane Nadi. C'est tranquille. Amou Hassen. Voilà. Faites comme... Mathieu Miranda. Oui, oui, c'est... Mehdi Madi. Le coach, monsieur Adjara Chafar, c'est moi. Ça apporte tellement qu'il ne faut pas hésiter, parce que justement je crois que ça apporte beaucoup de richesse et le fait aussi, la confiance en soi. C'est-à-dire que c'est très riche, au niveau relationnel c'est très riche, ça nous prend beaucoup, il faut de temps en temps savoir dire stop, j'en fais trop, quoi. Et c'est très très intéressant de partager. Il faut qu'il fonce. S'il y a quelque chose qui a envie de faire quelque chose, il ne faut pas se mettre de bâton en l'air. Il faut foncer, il faut y aller. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie.